Yes, bienvenue dans cette vidéo. On va parler un petit peu de livres audio essentiellement. Il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, je me suis penché sur cette question et il a fallu chercher un petit peu des narrateurs qui proposent ces prestations, notamment pour Audible, ACX ou Findeway Voice. Surtout pour Audible, c'est ce qui nous intéresse principalement. Donc, on a mis en place une offre, mais avant de vous parler de cette offre, je vais peut-être vous présenter qui je suis. Je m'appelle John, j'aide les auteurs et les écrivains indépendants à fabriquer, publier et vendre plus de livres. J'interviens essentiellement lorsque l'auteur a terminé son manuscrit. Et là, dans cette étape, on va intervenir essentiellement quand l'auteur a déjà publié un livre sur Amazon KDP ou a déjà terminé son manuscrit. Donc, je suis vendeur vérifié sur 5 euros. Donc, nous sommes une société qui a été validée, approuvée par les administrateurs de 5 euros. Nous avons déjà aidé plus de 525 personnes depuis janvier 2021. Nous avons un taux de satisfaction de 100%. Et puis, nous répondons rapidement dans un délai de 7 heures. Et généralement, tout se passe bien. Nous avons une quarantaine de microservices, publication de livres, création de couvertures. Vous avez les avis à chaque fois. Vous pouvez lire les avis. Mise en page, création de livres brochés, livres reliés, e-books, etc. ou les convertir. Et ce qui fonctionne bien, c'est la création de campagnes de publicité. On fait de la formation, on cherche les avis, on rajoute le livre dans des catégories, on référence votre livre sur les sites incontournables tels que Babelio, Goodreads, Livradic, Le Petit Romancier, Librairie Things, etc. On a mis en place différents modules pour activer différents leviers, notamment lorsque vous êtes en face des problèmes techniques, problèmes et contraintes techniques. Aujourd'hui, on va échanger essentiellement sur ce livre audio. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de narrateurs. Ça coûte très très cher de faire enregistrer son livre audio, mais surtout, il faut trouver le bon timbre de voix. Donc, nous, on travaille uniquement avec un seul narrateur. Je vais vous faire écouter cette narration. Et puis, ce qu'on vous propose, c'est de faire un test sur votre livre. Donc, vous avez par exemple un livre, on va prendre une page, une demi-page, 200 mots à peu près. Et puis à partir de ça, nous, on va faire un enregistrement. Désolé si vous entendez du bruit. Le pays dans lequel je suis en ce moment, c'est la fête de l'indépendance. Donc, c'est la fête de l'indépendance de Madagascar. On fête les 62 ans d'indépendance. Donc, c'est un moment de fête et il y a plein de vuvuzelas. Vraiment désolé. Donc voilà, le plus important, c'est de faire un test. Et quand vous avez fait le test, ben, vous savez si le narrateur correspond, convient à ce que vous voulez. Voilà, je vous laisserai lire. Vous avez les tarifs tout en bas. Il faut savoir que ce sont des enregistrements adaptés pour Audible. Hein. Ça, c'est super, super important. Et vous avez aussi un chapitrage à faire, puisque sinon, votre manuscrit sera refusé par Audible, par exemple. On va écouter un extrait de l'enregistrement. C'est ainsi qu'il force la porte du bureau après avoir transpercé de son épée les derniers gardes fidèles. Le fer encore ensanglanté à la main, il apostrophe son père. Pourquoi as-tu appelé ces chiens de Kémite? Hurle Chati. Comment oses-tu pénétrer dans mon bureau en hurlant? Réplique Tushratta. Chatiwaza est ivre de rage et la réponse de son père le fait sortir de ses gonds. Il brise tout ce qui se trouve à portée de son épée. Voilà, donc nous on a comparé plusieurs voix, c'est ce qui nous avait vraiment le plus intéressé. Et surtout ce qui nous a intéressé, c'est ce jeu d'acting, c'est-à-dire nuancer un petit peu la voix. C'est ça qui nous a vraiment plu. Voilà, vous pouvez me contacter directement ici ou tout en bas du microservice et on pourra échanger d'abord sur votre besoin concernant votre livre audio. À bientôt!